Bonsoir et bienvenue à Grandir ensemble. Amen. Le fleuve qui coule du cœur de Dieu se déverse dans nos cœurs. Il fait déborder nos coupes sur les âmes autour de nous. Terre, sois altérée par cette eau purifiée. Que fleurisse ton jardin pour faire jaillir de doux parfums qui s'élèvera jusqu'au cœur du Saint Dieu fidèle qui nous veut sous son aile. Lorsque nos coupes débordent de choses se manifestent, alors des vies tout autour se transforment et une louange s'élève jusqu'aux cieux pour toucher le cœur de Dieu. Amen. Allô, mon amour. Allô, mon amour, ça revient? Oui, toi? Ben oui. Good. Et bonsoir à vous tous et bienvenue à Grandir ensemble. Amen. Ce soir, j'ai une parole que Dieu m'a mis à cœur. Bien souvent, on se laisse emporter par la pensée des autres. Qu'est-ce que les autres pensent de nous? Mais vous savez, c'est plus qu'est-ce que Dieu pense de nous. Que oui. Et des fois, on fait en sorte qu'on veut que tout le monde nous aime. Et parfois, ça peut même venir jouer sur notre estime de soi. Parce qu'on se dit, ah, pourquoi j'ai fait telle chose? Pourquoi j'aurais dû le faire de cette façon-là? Et des fois, les gens nous le remettent aussi en plein visage. Dire, ah, ça n'a pas été correct ce que tu as fait. Et des fois, on peut se dénigrer là-dessus. Mais vous savez, aux yeux de Dieu, on est des perles précieuses. Mmh. On est ses fils et ses filles. Mmh. Et même dans Hébreu, c'est qu'est-ce qu'on va voir? C'est que Dieu veut qu'on réalise qu'on est précieux à ses yeux. Et on va voir dans Hébreu, il parlait de Jésus. Il dit au verset 5, Hébreu 1, chapitre 1, verset 5. « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Amen. Dieu a tout dit que les anges étaient sa création. Mais vous savez que vous et moi, on est appelés des fils et des filles de Dieu. Donc, à combien ses yeux on est grand, pour qu'il, tellement qu'il nous aime, qu'il nous a donné l'héritage par son fils de devenir des fils et des filles de Dieu, et lui être un père pour chacun d'entre nous. Fait que donc, qu'on reste pas dans ces pensées-là, qu'on réalise ce qu'on vaut aux yeux de Dieu. Amen. Et ça, à chaque jour, lorsqu'on a une mauvaise pensée, qu'on se rappelle qu'on est des fils et des filles de Dieu. Amen. Et au verset 6, on peut aller plus loin que ça, au verset 6, il dit aux anges qu'il va adorer Jésus. Mais vous savez, on a Christ à l'intérieur de nous. Fait que si on fait la volonté de Dieu, il va adorer celui qui est à l'intérieur de nous. Amen. Parce qu'on va le laisser paraître. Que oui. Dieu vous bénisse, on va terminer avec la prière. Amen. Moi, juste un petit bout, parce que moi, j'ai déjà vécu avec, je l'ai avec tout le monde qui m'aime, puis tout ça, puis j'ai été délivrée de tout ça, puis... Quand on sent d'une telle façon, c'est comme ça que les gens nous voient. Fait que si on est honteux, les gens vont dire « Ah, si on a peur, ils sentent, qu'est-ce que, même si on ne le dit pas. » Puis quand on vit dans la victoire, ben les gens, ils sentent Jésus vivre en nous. Puis ils agissent différemment avec nous. Fait que ça, je vous dis, si vous sentez pas bien, changez ça parce que c'est un mensonge de Satan. Amen. Et Dieu nous aime tel que nous sommes. Oui, parce que faut pas oublier que vraiment, si Stéphane il fait quelque chose, s'en fait exprès pour me blesser puis ça me rabaisse ou vice-versa, ça travaille, ça concourt à notre bien. Fait que dans ce temps-là, on demande pardon Seigneur puis ben fais ressortir ta gloire au travers cette situation. Amen. Fait que merci Seigneur pour cette bonne parole qui nous donne de regarder, tu sais quand tu dis aime ton prochain comme toi-même, il faut s'aimer, prendre soin de nous, parce que c'est quand qu'on prend soin de nous qu'on peut bien prendre soin des autres Seigneur. Amen. Puis c'est à ce moment-là qu'on peut être un beau témoignage pour toi. Permets qu'on puisse vivre le verset Seigneur, qu'on sache qu'on est précieux comme Jésus est précieux. Amen. Seigneur, merci d'être notre papa, qu'on est tes fils et tes filles. C'est tellement précieux. Juste ça, on devrait vraiment être dans la louange à chaque instant de notre vie. Je t'aime. Amen. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié.
crée. Amen. Amen. Et au nom du Seigneur Jésus, soyez pleinement bénis dans toutes les sphères de votre vie. Oui, puis soyez bénis, tout garni, extra. Costume de soi. Oui. Amen. Yes, amen. Sir. On vous aime fort. Bonne soirée. Bye.